Plop les gens, de retour sur Factorio pour, avec l'objectif d'atteindre le succès, la cuillère n'existe pas. Et ben c'est reparti. J'ai cliqué quoi? J'ai pris sur reprendre au lieu de reprendre le jeu. Pas l'habitude de mettre le jeu en pause. En partie multijoueur en plus. Donc on en était à avoir automatiser les bras, les convoyeurs et bientôt les machines d'assemblage. Voilà ce qui est fait. Et on va pouvoir du coup, ça nous fait un mini un peu dégueulasse, mais ça nous fait un mini comment ça s'appelle, mall, centre commercial. Que je réfléchisse. Ici, il manque des bras. Je vais les mettre. Juste pour avoir une zone de production complète. C'est toujours mieux. Après, je vais pas m'en rendre compte pendant un bout de temps, sinon. Donc, j'ai tout ça. Je vais faire en sorte de refaire un peu la même chose, mais pour produire les potions. Alors, les potions, on va les produire où? On va les produire. On peut essayer de les produire par ici. Je vais mettre, pendant que j'y pense, un radar ici. Commence à mettre des radars, quoi. Alors, par chercher les grenades. Ce qu'on a besoin, on a besoin d'une production assez élevée de four, de potions rouges et de la même production de potions vertes. Tac, tac. Il me semble que les rouges et les vertes se produisent à peu près à la même vitesse. De toute façon, on peut vérifier là. 6 secondes, 5 secondes, un tout petit peu plus lente pour les vertes. Bon, c'est pas grave. C'est une relativement bonne approximation, je crois. Alors, on va mettre. Je veux pas perdre trop de place. Enfin, je veux pas bloquer trop. On va mettre celle-là. 4, 5, 8. Il me semble que c'est. Oh zut! Il me semble que c'est 8 le ratio. Alors. Toi tu vas avoir là. Voilà, j'aurais pu les mettre en symétrique en même temps. Voilà. Ici, on va mettre les potions. Mince. Vertes, voilà. Ramener ça. Donc il va nous falloir on peut mettre ça là et c'est ici peut-être. Il va nous falloir une production de tapis et une production de bras. Les tapis, il y a besoin de deux pour décharger, les bras d'un seul. Je crois que c'est tout bon. J'ai oublié de mettre mon OBS par-dessus. Oui, j'ai bien lancé l'enregistrement. Ça va.
Ok. C'est pas ouf ça. On va mettre un peu plus haut. Est-ce que je peux faire ça? Ah, j'avais oublié de mettre ça là. Hop. Quelque chose comme ça, ça peut être bien. Parce que là aussi, il y aura besoin du fer. Donc ici, c'est une arrivée de fer. Ici, c'est ça. Ici, il y a besoin de ça. Donc on a dit une arrivée de fer. Autant la faire venir tout de suite. Voilà. Ok, je commence à avoir pas mal de... tout. Ok, parfait. Est-ce que... Voilà. Non, non. Ok. Ça a l'air bon. Ce que je voudrais maintenant, c'est ramener ça là. On a enfin plus de fil de production. Il y a besoin de quoi pour faire ça? Il y a besoin de plaques de fer, engrenage et circuit électronique. Donc toi, tu peux aussi faire... ça à la place. J'ai déjà 50 machines d'assemblage. Tac. Et ceci plutôt. Voilà. Alors ici il y a besoin d'électricité, on va ramener ça. Tout à fait aligné, mais c'est pas grave. Ici il faudra casser ça, je pense. Oh, quoique ça peut passer pour un début. Et on va devoir faire quelques labos. On n'a plus aucune recherche, mais de toute façon, ça arrive au moment où, comme je l'ai dit, attendez. Faut commencer par la source quand on démonte. Sinon, les bras laissent traîner plein de trucs par terre. Et c'est d'autant plus relou à ramasser. Nanana, tout ça, c'est bon. Ça m'a l'air bon, ça m'a l'air bon.
J'ai 438 fours sur moi. Ça prend un peu de place. J'ai oublié. J'ai oublié. Ça, on peut peut-être le faire venir directement comme ça. Ce qu'il faut, c'est qu'ils viennent sur la partie gauche. Donc on peut faire comme ça, par exemple. Plus esthétique. Donc, t'as besoin de fer. Voilà, j'avais oublié. Si t'en as besoin de plus, tu peux. Toi, t'as besoin de verre. D'accord. Excusez-moi. Voilà. Bon, c'est un peu fait à l'arrache, mais c'est censé marcher. Non, j'ai beaucoup trop de... Voilà, j'ai beaucoup trop de bras. Je peux faire des bras un peu plus évolués, mais c'est pas grave. Les sticks, c'est important, faut gagner le défi avec classe. Ouais, et puis... c'est important. Mince. 1, 2, 3, 4, 5. On peut peut-être le faire en longueur quand même. Voilà. Oui. Hop là. Et oui, l'esthétique c'est important, faut... Faut gagner le défi avec classe, surtout que, comme je l'ai dit, j'ai pas spécialement préparé le speedrun plus que plus qu'une partie autre, surtout que je me suis... Enfin, plus que la partie... comment ça s'appelle ? Dans 5, 10, 15... Donc j'ai prévu... de faire ça aussi. Plus que la partie... la partie précédente où, où j'avais fait le défi de 15h et en fait j'avais pas touché au jeu depuis pas mal de temps. Alors il nous faut ça, donc on va le faire. Je pensais pas spécialement le faire vu qu'on n'a pas besoin de rouge, de tapis rouge. Je sais pas si ça c'est pas un peu trop de... c'est peut-être un peu trop de labo par rapport au... à ma production actuelle en tout cas. On va voir. Au pire... Pire pour les rouges, je peux copier-coller et faire ça ici. Il fait quoi? Non, y a, Tac, tac, tac. Ah.
pourrais faire à peu près l'équivalent pour les vertes, si vraiment il y a besoin. Effectivement, là. On peut faire ça, c'est. Non, on peut faire ça, mais c'est pas vrai, on peut pas. Du coup, on va faire ceci. Toi, tu t'en vas. Voilà. Voilà. Normalement, là, j'ai doublé la production de rouge. Donc les rouges ne patientent plus. Les vertes un petit peu encore. Hop là. Bon, les vertes, ça va être limite. Je vais doubler ça aussi. Ça me fait bizarre de faire autant de production de science. Mais je sais qu'il y en a besoin de beaucoup. Ouais, c'est beaucoup là, on est d'accord. Hop, tac. Voilà. Je sais pas par exemple si lui va tenir le coup, on dirait que c'est même la sortie qui arrive pas à suivre, donc la sortie et l'entrée en circuit vert. Donc on va faire ça. Et puis il va bosser un peu mieux. On m'avertit que mon chat va me sauter dessus. Bon, faut voir si elle est toute griffe dehors ou pas. Mais ça a l'air d'aller. Alors, yep. Donc, je crois que j'ai vu ça aussi. Je vais essayer de faire seulement les recherches dont on a besoin pour la navette. Pour la fusée plutôt. Il n'y a pas de navette. On va voir ce que ça donne. Ok, l'automatisation c'est déjà fait. La vitesse de recherche c'est toujours utile aussi. Pourquoi je peux pas ça? Ah non, on n'est peut-être pas obligé de le faire du coup pour la fusée. La fusée elle est où? Là. Ça va me faire bizarre de pas faire de science noire. Les moteurs, c'est super relou. Fais un peu de science noire, ouais, quand même. Vu que je suis en mode survie. L'inventaire est plein. Choups 73,50. Salut! Alors attends, je pose ça parce que. Tant qu'à faire, c'est pratique maintenant. Et je lis ton message juste après. Salut, faut pas tout faire non. Et je pense comme Dr. Maku, ça fait vraiment beaucoup de science du pack. D'accord. Je comprends.
Après, maintenant que c'est posé, ça fait presque perdre plus de temps de l'enlever, non? Enfin, c'est plus si gênant que ça. Tac. Enfin, pour une 8 heures. Ouais, une run 8 heures, oui. Oui, c'est sûr que si je commençais à vouloir faire une base à X science par minute, vous me diriez autre chose. Alors. Allez. C'est long. Faut que je me mette des circuits verts à disposition dans les coffres parce que là c'est trop long. Les recherches traces du coup, c'est pour la beauté du geste, ouais. On a dit tout ça. T'as dit un peu de noir quand même pour avoir des... Ah oui, effectivement ça trace. Hop. J'ai oublié de mettre un radar par ici. Celui-ci étant trop. Là. Il faut que je pose les packs de science et les minerais. Je les ai en trop. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est où à chaque fois? Je devrais essayer de regarder quelques trucs en avance, mais... Alors, il faut le chemin de fer, le... Ah, c'est manipulation des fluides, ok. La citerne, le pétrole, tout ce qui est plastique, tout ça, j'y pense un peu. Ah oui, et les traitements avancés des matériaux, ok. Donc la citerne d'abord. J'ai déjà oublié où on avait dit que le... J'ai déjà oublié où est-ce qu'on a dit que le pétrole se trouve autour de la base. C'est pas pratique. J'ai tellement l'habitude de faire des... de pas faire assez de science, que mes recherches mettent longtemps, que... et de voir que ceux qui font des défis de vitesse font beaucoup plus de science que ça, enfin font que moi, donc ça ressemble plus ou moins à ça. J'ai voulu plus ou moins essayer de copier. J'ai dit pas assez de préparation précise en tout cas. Ah, le raffinage du pétrole il prend son temps quand même. Je crois qu'on avait dit que le pétrole était là-haut. Est-ce que ce serait pas mieux de faire d'abord les moteurs? Les moteurs, quoi qu'il arrive, mettent du temps à se produire. Ça peut permettre de faire. Les tuyaux souterrains. Dans ce sens-là. Alors, les moteurs, ils sont où? Ils sont là. Il va me falloir de l'acier, j'ai totalement zappé l'acier. Alors coller, on va recoller ça. On va recoller ça là.
J'ai fait. Oh, je sais plus. C'est important. Je crois. Peut-être mis un peu trop loin, mais. On a apparemment tout ce qu'il nous faut. L'électricité. Voilà. Ici. On peut mettre ça. Le béton, ouais, le béton, on en a besoin pour le silo, justement. J'ai plus de bras, j'ai plus de poteaux. Ils sont là, ceux du centre. J'ai quelques bras. J'espère que ce sera suffisant. Je crois pas. Il avait pas de charbon, juste qu'il a plus le temps d'avoir du charbon en haut à droite et non pas qu'il manquait un bras. Avant de s'attaquer à la même chose mais pour le l'acier, ouais, tout pile assez de bras pour le fer mais pas pour l'acier. On va prendre ça. Là où on s'en fiche. Hop. Poteau, c'est bon. 1 de trop. Tac. Ici aussi, tout pile normalement. Non, peut-être que j'en ai un peu de rab. Ouais, j'en aurais.
Non, je sais pas, on va voir. En fait, on en a besoin de 24 x 2 pour une rangée. Donc ça fait presque 50 et on en a re-besoin de 24 x 2 pour l'autre rangée, donc ça refait 50. Ok, j'ai mon acier qui sort d'ici. On va le faire sortir un peu plus loin. Là du coup les recherches n'avancent pas parce que lui prend, enfin eux prennent tout ça, donc ça on va le recopier. On va le mettre là. Toi tu peux être là, le seul truc. On va mettre comme ça. Ah non. Voilà. Colis. Ah non, il me manque le fer ici. J'ai oublié. J'avais oublié le fer. Non. On va s'éloigner un petit peu. Mettre ça là. Alors on va laisser, on va essayer de faire non c'est pas là, là. Du coup, c'est un peu pas. Mais c'est pas grave. Ce sera pas très joli. Au secours. Là, on a besoin de fer. Donc, pour le moment. Ceci. Là on va ramener ça là et on peut mettre ceci comme cela, je pense. Celui-ci étant trop. En vrai, celui-là aussi. Voilà. Plus de production de tapis, de circuit vert, juste pour les potions au final. Qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que non, je peux pas faire de voiture évidemment, pas encore. On avait dit les moteurs sont utiles. Les moteurs. Est-ce qu'on les ferait pas là plutôt? Les moteurs, il faut
faut un il faut des engrenages. Les faire par ici. Est-ce que c'est trop près? Peut-être. C'est pas grave. 31, c'est peut-être plus beaucoup. Donc toi, tu vas te remettre à fabriquer des machines d'assemblage. Alors, plus les moteurs, c'est long à produire. Ah oui, j'ai pas les grands poteaux. De toute façon, j'ai pas spécialement envie d'utiliser de l'acier pour ça. Du coup, ça fait des doubles poteaux, c'est très joli. Voilà. Pour faire comme les autres. Et les moteurs, on en a besoin pour quoi? Pour la fusée? Je sais plus du tout. Fusée. Alors les moteurs, on en a besoin pour les moteurs électriques déjà, c'est sûr. Ils sont où? Ils sont faits, ils sont là. On a besoin pour... Tac, tac. Ouais, les moteurs électriques, c'est peut-être... Ouais, la science bleue. Effectivement, je l'ai pas encore trop regardé, la science bleue. Oh punaise, ouais, il va nous falloir du pétrole. Pour ça, ce serait cool si on pouvait avoir des vraies munitions. Les sciences jaunes via les moteurs électriques, ouais. Et il me semble, alors dis-moi docteur Mako si t'as une meilleure mémoire que moi ou quelqu'un d'autre, il me semble que le pétrole était au nord-ouest, vers là où je vais. Ouais, à gauche, oui. Super. Ah, j'ai plus de munitions. Ok. Elles mettent tellement de temps à se construire, les rouges. Je me suis fait un peu surprendre. Alors effectivement, il y en a là. Le deuxième était un peu plus en haut à droite, je crois, de celui-là. Ce coin-là, il me donne pas envie, par contre. Hein. Ouais, il y a beaucoup de tourelles, de verre. En plus, il y a encore un camp ici. C'est un camp de verre, ça, donc ça va à peu près. Non, il n'y avait pas un deuxième ici. Ou alors c'était là-haut, je sais plus. De toute façon, tant qu'on a un, c'est bon. C'est juste que si j'ai le choix, je peux vérifier celui qui est le moins dangereux. Sinon, il y a moyen d'exporter la chaîne de la map et refaire l'aperçu.
falloir tuer ce camp. Ouais. Alors le premier que j'ai commencé, oui. Le deuxième, j'ai l'impression. Béton terminé. Plastique. Ok. Ah non, passer par la forêt, c'est pas une bonne idée. C'est bon, on s'en est sorti. Il y a 29 balles. 29 chargeurs. Ça devrait aller. Plus on a le nid accessible. Ouais, ça va le faire largement. Vu que je suis là et que j'ai encore plein de balles. Et que j'en produis encore plein en plus. Comme tu dis, je vais d'abord m'attaquer à eux. Si au moins je réussis à tuer les spawners là, les nids, je peux laisser les vers tranquilles. Et lui il va être compliqué à avoir. Il y en a encore derrière moi, ouais. Ok, c'est bon. Offre donc des poissons aux autochtones pour les calmer. Bah, j'aimerais bien, mais quand je clique sur la carte là par terre, l'ingénieur les mange à la place. Voilà, enfin, quoique. C'est trop tard, les vers vont pas venir les chercher. C'est vrai que j'ai la touche posée au sol. Bon, par contre, les munitions, il y a peut-être. Enfin, ça dépend si je fais vraiment les potions noires. Mais pour le moment, on va dire qu'il n'y a pas besoin de les produire à la chaîne. Si, tant que j'étais là-bas, j'ai pas pris beaucoup de tuyaux. Ouais, en plus, ça me tout mon fer pour produire des tuyaux. Donc on va d'abord prendre les tuyaux et on fera les chevalets de pompage après. Ça, ça va là et ça, ça peut aller... Non, peut-être pas. Ah si, quand même. Pourquoi il veut pas en faire plus? J'ai des circuits électroniques, j'ai des tuyaux, j'ai pas beaucoup d'acier évidemment, j'ai fait masse de munitions avec. Et voilà encore un processus de paix contrarié parce que sinon... Et un ventre, bravo. Oui, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Là, on peut améliorer. J'espère que les arbres précédents ne m'ont pas trop gêné. Hmm.
plastique terminé, électronique avancée. Il va le falloir. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire d'autre? Les chevaux et pompage, oui. De toute façon, pas très pressé là tout de suite. J'ai tout posé. J'en ai fait combien? 10, 20. Et là, on en compte un petit moment. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, je crois. Ça va nous économiser beaucoup de temps de construction de d'engrenage. Et sur ce, je vois que ça fait encore une heure qui est passée. J'espère que l'épisode vous aura plu, que vous êtes intrigué. J'ai l'impression d'avoir un peu moins avancé, mais en même temps l'autre a... l'épisode précédent a bien débordé sur celui-ci. Donc c'est peut-être normal. Et bah voilà, n'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces vers le haut si l'épisode vous a plu. Et à bientôt !